Salut à tous, salut à toutes, c'est DR46 pour une nouvelle série Let's Play sur XCOM Enemy Within, qui est un jeu qui est sorti il y a déjà bientôt 2 ans. Vous allez me dire pourquoi je me joue tout le temps à des vieilleries, parce que je suis un peu vieux, mais c'est pas l'unique raison. C'est aussi qu'il y a 2 jours est sorti le trailer pour XCOM 2, donc ce jeu de stratégie au tour par tour dont vous allez découvrir l'épisode précédent. En l'occurrence, Enemy Within est la première grosse extension du jeu et je crois la dernière. Il y a eu quelques petites extensions en plus. Et comme le trailer vient de sortir, il y a une promo sur Steam et j'ai pris les différents DLC auxquels je n'avais pas joué. Alors j'ai terminé le jeu à l'époque, il y a 3 ans, parce qu'il est sorti en 2012. Le jeu de base, c'était XCOM Enemy Unknown, qui est en fait un reboot d'un jeu qui est sorti au milieu des années 90, au début des années 90, je sais plus, c'était UFO Enemy Unknown, UFO, pardon. Et voilà, donc vieux jeu de stratégie au tour par tour, mais qui est matiné également d'une partie gestion, qui a son importance, qui est même capitale. Vous devez gérer votre base qui est la base des XCOM, qui est en fait une association, non pas vraiment, une agence, voilà, extra-gouvernementale et transplanétaire, on va dire ça, pas transplanétaire, mais transgouvernementale et transnationale, qui est financée par un conseil dont les pays ici sont représentés, pour lesquels vous devez effectuer des missions afin de maintenir leur niveau de panique au plus bas, c'est-à-dire à 1. Là, en l'occurrence, je vois qu'il y a certains pays qui sont à 2. Et leur niveau de panique est en relation avec l'invasion extraterrestre. Vous le savez, XCOM, c'est un jeu qui tourne autour d'une invasion extraterrestre et nous, les humains, on essaye de se défendre parce qu'ils sont pas vraiment amicaux comme vous pouvez vous en douter. Pour gérer le niveau de panique, on a accompli des missions, alors c'est tout le temps des choix qu'on a à faire. Si on va d'un côté, on ne défendra pas de l'autre et le niveau de panique va augmenter. Il y aura des choix même très difficiles en courte partie. Si on accomplit les missions, on descend le niveau de panique qui reste ici au vert ou en l'occurrence au turquoise. Et si jamais il arrive jusqu'au rouge, là, et qu'on arrive à un jour de conseil, c'est tous les 31 jours, le pays en question se retirera et ne nous financera plus. Une autre manière de faire baisser l'indice de panique, parce que là je suis dans l'initiation, elle est en train de se terminer. Pour différents problèmes d'enregistrement, je peux pas vous passer les toutes premières missions, mais c'est pas très très grave finalement. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce qui s'est passé. Et donc, le niveau de panique de la Chine était monté jusqu'à 3. Et puis là, on me proposait dans l'initiation de lancer un satellite qui me permet d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Là, on voit que j'aurai plus 375 et que j'ai actuellement encore 210 crédits. Simplement, le nombre de d'emplacement pour satellite est limité et je dois gérer ça en fait avec toutes les constructions que j'ai à disposition. On verra, il faudra que je construise des générateurs en plus, des relais de liaison pour avoir plus de satellites, ça prend de la place, ça coûte de l'énergie, donc il y aura tout cet aspect gestion là. Il y a aussi l'aspect gestion de caserne, là il n'est pas accessible parce que je suis encore à la fin de l'initiation. Où on peut gérer nos soldats qui peuvent mourir en cours de mission et qui ont de l'XP, donc aller à soigner particulièrement parce que quand vous perdez un soldat qui est bien fité, qui a un bon niveau et que vous le perdez bêtement parce que vous avez fait un mauvais move, ça fait chier. Il y a aussi un aspect recherche, on récupère des aliens sur le terrain, des objets aliens, etc. Donc on essaye de se mettre à niveau pour contrer l'invasion en faisant toutes sortes de recherches. Et puis l'aspect ingénierie, une fois qu'on a fait des recherches, on peut amener ça au niveau de l'ingénierie qui va nous construire différentes choses, des armes, du matériel, et j'en passe. Alors avant d'aller plus loin et puis de voir pourquoi on est appelé au centre de contrôle, je vais vous passer le trailer qui est sorti donc il y a 48 heures, probablement 72 heures au moment où vous verrez la vidéo. Ça dure 3 minutes et puis ça met dans l'ambiance pour le prochain épisode. Donc je vous reprends tout de suite après. Must submit to a full security scan.
Alors on se revoit après ce trailer, j'espère qu'il vous aura plu. On se rend compte que le prochain épisode se déroulera 30 ans après celui qu'on va découvrir ensemble. Et bon bah voilà, hein, ça spoil un peu, mais visiblement les aliens ont gagné. On va essayer de faire mentir cette prédiction et voir ce qui se passe au niveau de ce centre de contrôle où on est appelé à l'instant. Commandant, on capte plusieurs transmissions radio indiquant qu'un ovni a été repéré dans la zone couverte par nos satellites. On devrait passer en phase de repérage au plus vite. Alors, ça c'est la carte de surveillance. Au passage, vous voyez que les prochains événements dans 2 jours, j'ai mon satellite qui sera opérationnel pour la Chine. Je suis en train de rechercher actuellement un électroflux, c'est pour un objectif. Ça permettra de capturer un alien en fait. Mais il faudra que je construise une enceinte de confinement qui sera également prête dans 7 jours. Et dans 23 jours, il y a le fameux rapport du Conseil. Donc, surveillons l'activité. Couverture satellite déployée sur la Chine. Ok, je vais juste partir de là. Donc là, je sais pas, j'ai pas découvert en fait l'activité extraterrestre. Y a rien qui s'est passé, il me proposait juste de surveiller. Au niveau du hangar, pour les endroits qu'on n'a pas vus, pour l'instant, j'ai mes avions, j'en ai que deux, c'est armés de missiles avalanche. C'est pour l'interception d'OVNI, ils sont uniquement en Amérique du Nord, pour le reste, j'ai rien. Ce que je pourrais faire, c'est transférer... Ah, je peux pas encore transférer, je pense. Je le bougerai bien... Ah oui, je peux. Ah non, c'est pour passer une commande, mais on va construire un intercepteur ici, parce que j'ai un radar, et si j'ai pas d'intercepteur, bah, je pourrais pas intercepter ce que je détecte. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Encore au centre de contrôle. Centre de contrôle. Ouais, visiblement, j'ai pas fait ce qu'il voulait, mais je voulais juste vous dire avant qu'en plus des ressources, là, dans l'extension que j'ai pris, Enemy Within, il y a la mêlée. C'est un drôle de nom pour une ressource extraterrestre qui, visiblement, sera utile pour développer des capacités cybernétiques auprès de nos soldats. Également, je pense, des capacités psioniques. Enfin, je suis pas tout à fait sûr, je connais pas cette ressource-là, elle n'était pas présente dans l'édition de base. Qu'est-ce que j'ai mal fait encore? Donc il faut que je surveille, c'est ça, alors surveillons. J'ai l'impression de faire une connerie là. On a bien fait de lancer voilà. Ce satellite. On détecte un vaisseau rapide alors, non identifié. On va l'intercepter si avec un de nos avions. Le Raven 1. Allez, on y va. C'est toujours les mêmes cinématiques, ça a quand même bien vieilli le jeu, hein. Faut pas oublier qu'il est sorti il y a 3 ans. Mais bon, pour le coup, c'est pas trop dégueulasse. Juste vieillot. On a repéré l'ennemi. Donc là, pour les premiers, en général, je me fais pas détruire les intercepteurs. Il s'est quand même pris un coup, mais très peu de dégâts. On l'a intercepté, il s'est écrasé, on est content. Yeah! Amazing! Amazing! Je répète, l'OVNI a été abattu. Vous me recevez? À vous. Bien reçu, Vodou 3-7. C'est tellement simple au début, mais après... Terminé. Bon, écoutez, recentrez le satellite de reconnaissance Bravo sur le site du crash. Il s'apprête à passer au-dessus, monsieur. Ça y est, c'est bon. Grossissez. Il est intact. Commandant, je recommande d'envoyer une équipe d'assaut immédiatement. Ah ouais, on va y aller. C'est donc mon avion pour envoyer des soldats. Juste avant, on va juste promouvoir notre soldat, c'était de la précédente mission. Les snipers sont les spécialistes des tirs à distance. Sans un entraînement adapté, ils sont très vulnérables en combat rapproché. Au début, j'ai des soldats, des recrues si vous voulez, et dès qu'ils ont pris un peu d'XP, bah, ils passent deuxième classe et ils se voient attribuer une aptitude et une classe finalement, une spécialisation. Là, j'ai un sniper. Qui aura une capacité spéciale qui s'appelle tir à la tête. Donc 30% les chances de coups critiques et puis ça fait mal quand on y arrive. Donc, à préserver comme soldat, j'ai encore un autre sniper, le soldat, enfin en l'occurrence deuxième classe, Takashi. Donc je confirme le tir à la tête, nickel, très bien. Donc pour le reste, j'ai construit... en faisant mes toutes premières recherches au niveau de l'équipement, le gilet en nanofibre, ce qui me fait enlever une grenade.
En l'occurrence, lui, c'est déjà le gros bourrin. Il s'appelle comment? Voilà. Le deuxième classe Carlos Lopez. Mon tout premier soldat, survivant de la première mission où ils sont tous morts à part lui. Voilà, c'est le vétéran, on va dire. Et puis il a son fusil mitrailleur, ça de toute manière j'ai pas le choix, j'ai pas beaucoup de stuff pour l'instant. J'en garde deux avec des grenades au cas où, et puis deux avec du Kevlar. Et puis on va lancer la mission. Je vous laisse les cinématiques au début, mais après on les passera, ce sont toujours les mêmes. Nous avons le site en visuel. Alors, go go go! Préparez-vous, la zone d'opération est aux États-Unis cette fois. Elle est pas. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés dans une zone peu peuplée. Ils disent tout le temps la même chose. S'il y a des civils dans le coin, j'espère qu'ils garderont leur distance. Et il faut qu'on essaye de récupérer des conteneurs de mêlée, donc cette substance alien, qui nous permettra de visiblement de construire des améliorations cybernétiques, notamment plus tard dans le jeu. On n'est qu'au 4, mais on pourra monter à 6, au fur et à mesure. Ici Rapace, on est juste au nord du site du crash. Strike One est en position alors, pour attaquer. Bien reçu, voyez, là, Rapace. C'est... On va surveiller les signaux d'ici. On va laisser finir. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Alors, deux points de déplacement. Jusqu'à la zone verte, on en utilise un. Au-delà, on sprint. Je peux le faire, mais du coup... Le site du crash est droit très bien, devant. Merci. Attendez-vous à une forte résistance. On n'a aucune idée du nombre d'ennemis qui pourraient ce être que... à bord. Approchez prudemment. Tu me laisses en remplacer une. Ce que je veux dire, c'est que si je fais mes deux déplacements, je peux pas le mettre en vigilance. Ce mode me permet en fait qu'il soit en surveillance, et s'il y a un ennemi qui passe par là dans son rayon de tir, eh ben, il le flingue. En tout cas, il essaiera. Là, on me dit ok. Sniper, on va le mettre ici, à couvert. Vous voyez les boucliers qui montent la position à couvert, un demi-couvert en l'occurrence. Affirmatif. On va rester à position de défense. C'est vrai que les snipers, ils peuvent pas... Je peux les améliorer, mais ils pourront faire un tir uniquement s'ils ont une aptitude spéciale. Alors on va le faire sprinter jusque là-bas. Je confirme la position. Et lui aussi, c'est aussi un sniper. Bon, il sera un peu plus avancé. Objet alien en vue. Donc on a trouvé un conteneur à mêler. Là, c'est le tour des aliens. Ils se sont bougés. Donc le conteneur à mêlée se trouve là-bas. Ça me fait bien dévier de ma zone de crash. Et le 4, ça veut dire que dans 4 tours, il explose. Qui est-ce qui court le plus loin? Là, c'est Sniper. J'ai pas trop envie de le bouger, là aussi. Allez, on va faire sprinter jusque là-bas. J'ai mes deux snipers qui sont prêts au cas où. Ok. Donc, sniper, toi tu vas te bouger jusque là, il aura un couvert total. Ok. Donc on va se bouger jusque là. On se déporte à droite. Je sais pas quel est le... Enfin, je sais pas encore si c'est juste ce que je fais. J'ai jamais eu l'occasion de courir après ces bidons là, de mêler. Si je le... Là, ça fait quand même un petit peu trop loin, quoi. Allez, on va le faire bouger jusque là. Je fonce. Ok. Lui, il va courir jusque là-bas, en haut. J'y cours. C'est le gros tank du groupe. Lui, c'est un snipe. Ce qu'on va faire... Si je le fais courir jusque là... Ouf, j'ose pas trop... Ah. Allons-y. Ok, je bouge. Voilà, on a trouvé les aliens. Je suis un peu à découvert, j'ai pris des risques. Il paraît qu'il faut. Je sais pas si ça va être payant. Alors lui, il voit rien à cette distance. C'est donc un sniper. Je pourrais le faire courir jusque là, il y a un couvert total. Mais il pourra pas tirer, c'est risqué. On se la tente. Ok. Et certaines parties sont... Alors lui, est-ce qu'il voit des aliens de... Non. Champ de force. Je peux le faire bouger jusqu'où? Merde, c'est pas à lui de bouger. Il peut pas bouger, j'ai déjà bougé, je suis con. Il n'y a plus que elle, là. C'est pas ce que je voulais faire, pardon. On va se bouger.
Je peux pas sprinter plus loin que ça. Ah, j'aimerais le faire avancer plus loin, sinon ça va pas être utile. Mais là, il sera complètement à découvert. Allez. Là, ça va tirer. Ah, il lui donne un point de vie en plus et puis un bonus en attaque. Allez. Ah, complètement à découvert. Critique. Ah, voilà. Connerie, elle panique. Et quand il panique, des fois, il tire n'importe où. Voilà, là, j'ai un peu merdé, il faut bien l'avouer. Allez, on prend la mêlée. Et je peux tirer encore. 50% de chance de le toucher, on y va. Merde, j'aurais pu mettre un mur de fumigène aussi. Si je balance une grenade là. Voilà. Ça c'est fait. Là on se met là avec vigilance. Je peux même tirer à la limite. 47%, ça tente. Et bam. C'était propre. Alors l'autre, elle panique toujours. Bon, elle s'est pris 4 critiques. Normalement, voilà, ça disparaît. Elle s'est calmée, c'est bien. Bon. On a réussi à prendre la mêlée, on n'a pas perdu de soldat, c'était moins une quand même. J'étais un peu surpris. On va se mettre là en couverture. J'y vais tout de suite. Sniper. Allez, derrière cet arbre. On y va. Attention. Oula. C'est quoi ce... Ah oui, oui, oui. Je crois qu'ils sont très fragiles. Créature émet des signaux absolument extraordinaires. Si je me mets là-bas pour sniper. Débarrassez-vous de lui. On va se mettre en position défensive. Et là, si je me mets là, normalement, je le vois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pourcentage? 30%. Ce que je pourrais faire, c'est un fumigène ici. Parce que l'autre, il est quand même bien découvert, il me semble. Comme ça, on pourra se repositionner. Normalement, il devrait pas me toucher. Et lui... il le voit. Il peut pas tirer? Ah, parce que c'est le sniper, il a bougé. Position défensive, allez. Fait chier. Faudrait que je les fasse grader. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se bouge. Elle est bien protégée. Oh, l'enculé! Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire? 27%. Je vais bourriner, je m'en fous. Là, je suis un peu trop... Allez, un petit coup de roquette. C'était radical. Incroyable. Il s'est volatilisé. Bon. C'est pas terrible ce que je fais. Aussi, de tout blaster, ça diminue la chance de choper des trucs intacts, logiquement. Toi, tu vas rester là pour l'instant. Il peut pas bouger, il a plus rien. Allez, avance. Position défensive. Petit bonus de défense. Toi aussi, les snipes sont en position. Lui est à moitié mort. Où c'est que je vais le mettre? À côté là. On y va. Est-ce qu'on voit quelque chose bouger? Non. Bon, alors, toi, tu vas sprinter jusque-là. Pour résister à l'impact à une telle vitesse, on va pas aller trop vite. La coque de ce vaisseau doit être faite de matériaux bien supérieurs à ceux que nous connaissons. De snipe tout de suite, je sais pas si c'est... Surtout pour les missions, on doit un peu rentrer dans des vaisseaux ou dans des milieux... Ah, mais je me suis avancé avec mon snipe, imbécile. Merde. Alors là, il envoie un. Il est relativement à couvert. Bon, ok. Elle. Lui. Non, il voit personne. Si je vais jusque là. Non, je peux pas aller jusque là.
J'ai pas de position à couvert. Ah mais lui il a déjà bougé, excusez-moi. Qui est-ce qui peut bouger encore? 1, 2, 3. Suivant. Lui il peut bouger. Elle en l'occurrence. Là je sais pas si je suis à couvert, j'ai de la peine à m'en rendre compte. Il y en a deux là-bas, il y a encore de la mêlée à 4. Ouh là là. Allez on va se mettre ici. Là je suis pas couvert, là je suis à couvert. Et je pourrais tirer éventuellement. Là je vois les deux. 50 de précision. Comment je fais déjà pour voir l'autre? C'est 30. Allez, on va se faire celui-là. Loupé. Shit. Lui, on va le mettre en position défensive. Est-ce qu'on peut? Je peux même pas. Est-ce que je peux me replier? Ce serait pas mal. Ouais. Je pense qu'il y en a plus que deux. Je me demande si je finis la mission en les butant, si je récupère la mêlée automatiquement. Oula, il s'est beaucoup avancé lui. Hein. Il change de position. Ouf. Parce que elle est déjà à moitié morte. Alors, toi, qu'est-ce qu'il a comme chance de tir? 47 pour essayer de se le faire. Complètement à côté, bordel. La tire en pleine tête. 55%. Ou 55, là-bas. Allez, parce que j'ai une chance avec l'autre à côté, après. Allez. Yeah. Tu vas morfler. Et toi, normalement, enfin, t'as intérêt à te le faire, là. Il est tout proche, 70... Ouais, c'est bon, là. Et voilà. Et du coup, on récupère les containers de... en même temps. Bon, je les ai fait souffrir, les pauvres. Hein. C'était pas très efficient. Donc c'est ça le train-train des XCOM, ça va être de plus en plus dur. Ah j'ai Carlitos qui est monté, puis j'ai bah, les blessés là, ils en ont pour 9 et 10 jours respectivement. Carlos donc qui est sa quatrième mission, ah voilà je peux le faire grader maintenant. J'ai le choix maintenant comme il est caporal entre mitraillage, donc les tirs standards avec l'arme principale ne mettent plus fin au tour s'il s'agit de la première action de l'unité, ok. Et puis visée holographique, tir de suppression procure un bonus de visée de plus 10 à toutes les attaques des alliés. Ça j'aime bien. Comme ça il peut faire un tir de suppression pour gêner les ennemis, ce qui permettra en plus à mes alliés d'avoir un bonus en tir. C'est vraiment le soldat de soutien lui. Ok. Donc les nouvelles recherches disponibles en fonction de ce que j'ai déjà découvert et puis des alliages et des différentes choses que je trouve ici qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'il a bonjour, mis, commandant. J'aimerais vous parler de notre flotte d'intercepteurs. Assurez-vous d'avoir toujours quelques avions prêts à décoller. Il y aura sans aucun doute d'autres ovnis à intercepter et il y a de grandes chances que nous subissions des pertes. J'aimerais aussi vous faire remarquer qu'un escadron entier d'intercepteurs ne sert à rien si nous sommes incapables de localiser l'ennemi. Nous aurons besoin d'une meilleure couverture satellite pour détecter les vaisseaux extraterrestres partout dans le monde. Rendez-nous visite en ingénierie si vous souhaitez fabriquer de nouveaux satellites. Au revoir, bon, commandant. D'accord. Pour l'instant, j'ai déjà 3 intercepteurs. En tout cas, je suis en train de construire le 3e. La caserne, on l'avait pas encore vue. Mémorial, ouais, j'en ai déjà 3 qui sont décédés. Bon, c'était au tout début, je pouvais quasiment rien faire. Je pourrais recruter encore ma liste de soldats. Ceux qui sont en activité, ceux qui sont blessés, avec leur nationalité, et c'est totalement aléatoire, on peut pas choisir ça. L'hangar où on a nos avions, la salle de surveillance, bah voilà, on a fait le tour. Le docteur Valen veut que nos gars ramènent un de ses... Ah, maintenant on peut, vu qu'on est... On marche sur la tête. Commandant, je sais bien que nos troupes on va juste faire ça avant. Se protéger. Mais à chaque fois que nous utilisons des explosifs contre les extraterrestres, oui, je sais, nous gâchons une occasion de récupérer de nouveaux artefacts. Donc carapace, ça me permet de faire de meilleures armures, fragments d'armes. Ouais,
Ouais, ça j'aimerais bien les étudier, hein. Les armes extraterrestres, c'est assez utile, hein. C'est de l'énergie, on a plus de munitions. Donc, commencer le projet. Des archives au passage, voilà, c'est ce que j'ai déjà cherché. Nous allons commencer immédiatement. Je vous préviendrai dès qu'un rapport complet sera disponible. Et puis, la vitesse de recherche est en fait comment dire, modifiée par le nombre de scientifiques qu'on a à disposition. Puis les scientifiques, on les gagne, on peut les recruter, on peut les acheter, et puis on peut recevoir pendant les missions. Bon, bah écoutez, je vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas, j'espère que vous avez un peu compris de quoi il retournait, puis que ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à retourner dessus. Alors, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, voire même un j'aime, on sait jamais. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !